Regardez cet extrait d'Emmanuel Macron face aux gens à Rouen. Non, pas trop. Voilà. Je trouve que les aides ne sont pas terribles quand on est tout seul avec deux enfants, en fait. Seul avec deux enfants, ouais. Je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Vous avez deux tiers de taxes d'habitation en moins. Sauf que moi, il y a deux ans, j'en payais pas. Et là, j'en paye. Alors que j'ai pas gagné plus. Et je suis toujours au SMIC. Et je suis toujours tout seul avec les enfants. Et comment ça se fait ? Rien n'a changé pour moi. Et la première te dit, j'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Bien payé. Non mais peu importe, je veux dire à un moment donné. Il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre et il faut arrêter d'empiler les difficultés.